Hey hey hey, bienvenue tout le monde et bienvenue en 1890. Baby, bienvenue en 1890, nous sommes le Dickens Challenge. Notre petite Louise est devenue enfant. Vous voyez, elle dort dans le salon parce que je dois faire des améliorations et agrandir un chouï la maison pour faire une chambre de plus. J'ai cru que quelqu'un se réveillait. Et le fait que Louise passe en enfant signifie que nous passons à la décennie supérieure, donc en 1890. Dans le défi, le 1890, nous avons toujours essayé de faire un bébé sera toujours utilisé au lieu de faire crac-crac. Donc, voilà. Les toilettes peuvent être installées à l'intérieur, ça c'est cool. Donc nos super toilettes en bois que Pierre Nard a fait vont pouvoir être installées. Les tapisseries sont permises sur les murs. Donc on va pouvoir enfin mettre autre chose que du bois et changer un peu de cette décoration très sombre. C'est bientôt l'anniversaire d'Arthur. D'accord, je note. On a le violon qui est débloqué et le graphophone qui est débloqué. Donc on va enfin pouvoir faire de la musique. Et c'est cool. Donc mais moi je vais commencer tout de suite par l'amélioration de la maison. On va agrandir déjà ça. Je vais les bouger puisque je vais mettre les toilettouilles dans la salle de bain. Donc la salle de bain, je vais peut-être l'agrandir. Je vais voir parce qu'il faut aussi que je case une chambre. Et là, c'est un peu compliqué. À moins que je fasse un étage. Ah ah ! Ce serait pas mal de mettre un escalier ici. On va voir ça. Escalier, escalier. Où es-tu, escalier ? Un escalier en bois, s'il vous plaît, comme celui-ci, c'est très bien. Si je m'en sors pas. J'aurais voulu le mettre là. Mais non, parce qu'en fait, il y a le couloir. Ou alors, eh ben écoutez, je vais voir ça. Et je vous rejoins quand c'est fini. Thank you.
Et voilà, notre maison a désormais un étage. Donc c'est parfait. De toute façon, là, il est très tôt. Tu vas pouvoir retourner dormir. Normalement, tout est bon, hein. Ouais, voilà. Tout va bien. Attention que je fasse pas de bêtises. Pierre-Nard, tu peux retourner te coucher. Ma petite Joséphine aussi. Albert. Bah ouais, toi aussi, tu peux aller dormir. Joséphine a commencé à puer un petit peu. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas réinstallé. C'est pas grave. Ah oui, ça, je voulais dire, il fonctionne pas, mais c'est parce que je l'ai pas réinstallé. Bah, je vais le réinstaller rapidement alors. Voilà, j'ai réinstallé donc le gramophone sur le guéridon que Pierre-Nard a fabriqué. Et la petite statue, je l'ai mise dans la chambre. Voilà, un petit ours qui. Ouais, voilà. Oh non. Oh non, l'histoire du monstre. L'histoire du monstre. Ouais, elle va nous casser les pieds. Fais une sieste à la place alors. Relu, ça part ici. D'accord. Ok. Wow, avec les sacrés tentacules, hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est sympa. J'ai agrémenté un peu de rideaux. C'est vrai qu'avoir autre chose que du bois, c'est sympa. Là, il y a une chambre en plus. Ce sera pour plus tard. Maintenant, nous avons quatre chambres. La maison est bien. Ouais, bah, va prendre un bain, Joséphine. Maintenant, on a le confort à la maison. Vous voyez pas, on a une baignoire et une toilette. Ah, c'est magnifique. Le papier peint de la chambre, j'ai de l'effet un peu neutre, parce que vous savez, garçon-fille, tout ça, moi j'aime bien faire des tons un peu neutres. Et puis dans la chambre des parents, ce super papier peint là. Très lourd quand même au niveau visuel, mais... Bah, va manger, c'est parfait, Pierre-Nard va bouffer. On est très bien. Une petite nouvelle journée va commencer, on est samedi, les années passent, ça fait déjà 10 ans que vous êtes mariés. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non mais retourne faire une sieste ma belle. Alors du coup, oui, bah oui, je vous ai pas présenté, Louise, version enfant, relookée évidemment, hein. Je lui ai remis la même. Coiffure que quand elle était bambin. Voilà, comme ça on n'est pas très paumé. Alors c'est vrai que pour les vêtements c'est un peu plus compliqué. Donc je lui ai mis ça qui est d'accessoires vintage. Et vous verrez bien ce que je lui ai mis. J'ai essayé de mettre toujours des trucs longs parce qu'à l'époque effectivement les filles ne mettaient pas forcément des trucs courts. Mais dans les Sims il n'y a pas beaucoup de vêtements longs. Voilà, alors, ma Joséphine. Tu as bientôt fini ton bain, tu vas utiliser tes toilettes. Parce qu'après il y a Albert. Albert, faudra le laver, tout ça. Il a fait la vaisselle, Pierre-Nard. Ah mon Dieu, j'ai loupé. J'ai loupé. J'ai loupé. Oh bah tiens, il l'a cassé. Bah allez, répare-le. Ça te fera les pieds. J'allais l'envoyer faire pipi dans les buissons, mais non, ça c'est fini. Il n'y a plus de buissons. Tu vas par contre entretenir le jardin, puisque toi, tu es assigné au jardin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger. Mais tu vas nettoyer ça en fait avant. S'il te plaît. Tu vas jeter, tu vas essuyer. Tu mangeras après. Et tu vas aussi jeter la nourriture gâtée du frigo. C'est quand même pas mal de taf, toi. Arthur s'est réveillé. Il va falloir changer sa couche. Bercer. Parler. Du coup, voilà, j'ai laissé quand même le petit bout de chou dans la chambre des parents, caché par un paravent. Bah, on les a pas achetés pour rien, moi. Hein. Ça, Arthur, il sera toujours auprès de ses parents. Surtout la nuit, puis surtout pour les autres. S'il y a des autres enfants, il y en aura sûrement. Pour qu'ils puissent veiller au plus près de leurs enfants. Niveau 9 de l'éducation. Ah, punaise. Excellent. Ah, tu vas le nourrir alors. Bah, il t'aime pas, dis donc, hein. T'as envoyé sur les roses un peu. Hein. Louise, encore avec le monstre, tu vas prendre un bain, ma belle. Tu vas prendre un bain et puis tu pourras manger.
Qu'est-ce que tu vas manger? Un petit bout de gâteau au chocolat. C'est classe quand même maintenant avec l'escalier et tout ça. On est bien hein, dans cette maison. On est très bien même. Bon Albert, il va pas tarder à se lever, donc Joséphine, dépêche-toi. Bah, bien sûr, elle fait rien de ce que je lui demande. Tu vas manger des haricots aux saucisses, ça tu pourras péter la forme, c'est le cas de le dire. Petite boule puante, s'est réveillée. Oh non, tu vas pas pleurer. Non, 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 ta maman, elle va s'occuper de toi. Ça va aller, allez. Prends dans les bras. Ouais, Joséphine, elle est obsédée à faire sa Conchita. C'est vrai que je pourrais agrandir la cuisine. Et faire un peu plus de plan de travail, il faudrait que j'y pense. Ok, lui retourne dans la chambre, elle va aller le voir. Okay. Notre petite Louise a fini son bain. Alors, tu vas... Non, tu vas lui... Ah bah voilà, elle pète. Ah bah c'est dégueulasse. Donnez un bain à Albert. Allez. Viens la petite boule puante. Il est trop mignon même quand il pue ce gosse. Beaucoup trop mignon. Bon, après tu vas donner à manger à Albert. Les petits pois. Tu feras un peu la vaisselle. Comment il habille Albert? Oh, il a remis sa salopette. C'est trop chou. Albert, c'est l'heure de manger, mon petit. Il est trop mignon. Hop là. Allez, ouf. Ah, bouffe. Mon pierre-nard, il évolue ses plantes. Tu vas bien manger, mon petit, hein? Pas de bêtises, hein? Éliminer la journée. Du coup, éducation. Faudra qu'elle lui donne. Faudra qu'elle éduque la petite maintenant, Louise. Louise, elle est genre buggée parce qu'elle attend depuis tout à l'heure de demander conseil à son daron. Mais Louise, tu peux aller aux toilettes maintenant. Ce sera peut-être mieux pour toi. Tu vas mieux t'occuper. Tu viendras peut-être demander à ta maman, complimenter et illuminer la journée. Contrôle des émotions, c'est pas ça, résolution de conflit. D'accord. Tu vas laisser la petite voiture à ton frère. Mais c'est quoi ça? Tu vas pouvoir jouer avec émotion. Tiens, Joséphine, tu peux nettoyer ça. Ah! Pierre-Nard! Salut, Pierre-Nard! Ah, il a envie de discuter. Il se sent un peu seul. Illumine la journée. Illumine la journée aussi. C'est vrai qu'il faudrait que je lui fasse. Que je lui fasse faire sa table, la table et les chaises. Pour qu'on puisse le remplacer très prochainement. Parce que. Déjà avec Louise qui va manger à table avec eux. Le petit, il est trop chou, quoi. Là, tu vas pouvoir le relâcher, le petit. Et on va apprendre les choses utiles à mademoiselle. Je vais exprimer son amour. Ah bah non, parce que lui, il faut qu'il le fasse avant. Éducation. Non, tu vas... Ouais, encore apprendre à parler, tant qu'à faire. Pierre-Nard, est-ce que tu n'as plus rien à faire, mon petit? Tu vas aller retourner aux toilettes. Et on va te faire taffer. Ce qui s'est occupé du jardin. Au niveau évolution, c'est fait. Tu vas nous fabriquer, du coup. Encore un guéridon, pourquoi pas. Tu vas nous fabriquer. Un siège. On va faire quelques sièges. 3 et 4. Et puis, bien sûr, un meuble, on va faire la table. Comme ça, on aura 4 chaises, une table, on pourra les mettre après à la maison.
Mais alors Louise, je suis pas sûre que cette station-là soit normale. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque comme musique? Pas de la pop, ça c'est sûr. Tu vas écouter de la musique classique? Voilà. On est plus dans ce mood-là à l'époque, ma cocotte. Je sais que t'as envie d'écouter de la pop, mais ce sera bien comme ça. Ça fait de l'ambiance dans la maison. Tu vas te réchauffer un peu à la cheminée qui continue de fonctionner quand même depuis le début de la série. Pendant que Joséphine apprend les besoins de base à Albert. Bah Albert, on va essayer de le pousser dans ses compétences aussi, hein. Communication, mouvement. Bah, il est moins avancé que Louise l'a été. En même temps, Louise a été toute seule. Et c'est un peu compliqué. Après, quand Albert a grandi, c'est vrai que ouf, c'était un peu dur. Bon. Pierre-Nard nous fait. Oh merde, Arthur s'est réveillé. Oh là là. Il va pouvoir l'allaiter. Tu n'y vas pas. Non, Louise, ça sert à rien. Ou tu y vas, tu lui babilles, tu lui parles, mais. De toute façon, tu peux faire que ça. Donc. Alors, ton petit frère. Bah alors, Arthur? Oh, bah alors, Arthur? Le Nouveau. Ah, ça va. La relation remonte un peu. Qu'est-ce qu'on peut te faire faire, ma petite? Il n'y a pas grand-chose à faire dans la vie quand t'es un enfant à cet âge-là, quoi. Enseigner les formes à... Ah ouais. Tiens, enseigner les formes à Albert, qu'on rigole. Ça va être mignon. Pendant que maman, elle va s'occuper d'Arthur. Voilà. Tu vas le bercer. Tu vas lui parler. Je pense que Arthur va bientôt changer d'âge aussi. Ce qui est bien, comme ça on pourra enchaîner et faire la quatrième grossesse. Pour avoir un enfant de plus. Parce que pour l'histoire, les garçons que nous allons avoir maintenant vont aller à la guerre dans les années 1910. Donc on n'y est pas encore. Ce sera quand Louise deviendra jeune adulte que les années 1910 commenceront et que bah, la guerre va commencer. En attendant, les garçons, voilà, ils vont aller à la guerre et ils vont risquer de mourir comme ça, de but en blanc. Donc, on a peut-être trois enfants pour l'instant, mais on n'aura peut-être plus qu'un parce qu'il restera que Louise. Donc, on verra. D'ici là, on verra. Ouais, ils sont à 3 sur les cubes maintenant. C'est très bien les cubes. Ah, mais oui, j'avais oublié. Tu peux jouer à la poupée, qu'est-ce qui t'arrive? Bambin désobéissant. Tu commences à ne pas avoir faim. Mais va jouer à la poupée, ma belle. Pendant que Pierre-Nard nous fait ses chaises. Parfait. Et puis maman, après, elle va. Oui, non, alors je voulais faire maman. Maman, elle va après tout doucement nous faire un petit peu à manger. Il est 20h, ouais. Tu vas nous servir le dîner. Des boulettes, plus de choix. Ah oui. Des spaghettis. Allez, go pour les spaghettis. Tu nous fais des oignons? Bon, Arthur s'est encore réveillé. Compétence 3 de la réflexion pour Albert. C'est très bien. Oh oui, Albert. Oh là là, il s'est pas encore allé sur le pot. Oh là là, Joséphine. Bah, il va faire sa couche parce que Arthur il crie. Et je pense pas qu'Albert il va on aura le temps de tout faire là. Donc finis vite tes spaghettis. Yes, c'est très bien. Non, tu prends aucune portion, cocotte. Ah, je crois qu'il est déjà en train de faire dans sa couche. Bah oui, c'est trop tard. Zut, flûte et mince. Oh, pauvre Arthur. Alors. Albert, il a pas faim. Bah, par contre, Louise, elle va manger. Pierre-Nard, à mon avis, aussi, va venir manger, ouais. Il va prendre une portion. Et puis, bah, Joséphine, tu vas pouvoir aussi manger une portion. Il fait quoi, le petit, là? Il va regarder sa maman. Oh, ma maman, elle est belle.
C'est la plus belle des mamans. Mais c'est normal, c'est Joséphine. Alors. Je suis contente, on se demande pourquoi. Fais un peu parler à ta fille, hein. Complimenter. Quoi? Il a fait quoi, lui? Mais mon petit, va jouer à la poupée, va. Je voulais qu'elle parle à sa fille, du coup, elle a même pas parlé, quoi. Discuter de son intérêt. Exprimer son amour. C'est bien, Louise. Hey, il faudrait que tu fasses tes devoirs, toi, d'ailleurs. T'as pas encore été à l'école, mais tu vas faire tes devoirs. Ouais, elle va les faire comme ça par terre, c'est parfait. Pierre-Nard, il a pas encore fini, mais bientôt. Après, toi, tu feras le nettoyage des plats. Tu vas exprimer ton amour. Oh, Louise, ma fille. Alors, vous voyez pas, mais j'ai rajouté des taches de rousseur à Louise, comme à sa maman. Puisque c'est une rouquine, je me dis que voilà, elle a chopé des taches de rousseur comme à sa mère. On verra bien quand elle grandit. Hein. Bon, allez, il est tard. Prendre dans les bras. Tu vas lire une histoire pour Albert. Et toi, tu vas arrêter, tu vas te barrer de là et tu vas faire tes devoirs ailleurs, s'il te plaît, Louise. Ouais. Ah, d'accord. Elle le met dans ce lit-là pour lui lire une histoire dans ce lit-ci. Très bien. Et puis en fait, elle va mettre au lit aussi la petite Louise, parce que comme ça, je pense que ça ira mieux pour les monstres. Vu qu'on n'a pas la lampe, ce qui est logique. Donc ça va être relou par contre, mon dieu. Déjà avec la lampe, ça fonctionne pas à tous les coups, mais là... Pfiou. Donc tu endors le petit Albert. Je sens qu'il y en a un qui va grandir mais plus vite qu'on ne le pense, Arthur. Oh, va, elle est pas hyper fatiguée. Tu vas aller aux toilettes aussi, ma petite. Dès qu'elle aura fini ses devoirs, ça va pas tarder. Je trouve ça tellement cool. En fait, l'ambiance est tellement bien retranscrite avec ce défi, je trouve. Avec la musique classique, du gramophone, les vêtements, la déco, l'ambiance. Franchement, je kiffe, quoi. On se croirait vraiment dans l'époque du 19e siècle, quoi, fin 19e. Alors, toi, tu veux demander conseil, mais tu vas être couché. Oui, quand même tard. Joséphine, tu vas aller coucher ta fille. Mettre Louise au lit, voilà. Mettre Louise au lit. J'ai jamais fait. Je sais pas en quoi ça consiste. Voilà. Non, 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 Pierre-Nard. Oh là là, mon petit Pierre-Nard. Non. Tu vas prendre un bain rapidement, s'il te plaît. Oui, je sais, t'as besoin de divertissement. T'inquiète pas, on va t'en donner. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas en avoir. Joséphine, elle va mettre la petite Oli. Alors, oh, en pyjama, je vais trouver que ça. J'aurais pu mettre la même robe, mais... Bon, tu vas vaporiser le monstre. Je vais l'entendre très drôlement. Et... Moi, je sais pas. Et tu vas la mettre au lit. Elle vaporise le monstre. Mais non, mais il faut que tu le fasses avant, la vaporisation. T'es bête ou quoi, Joséphine? Voilà. Tu vas l'enlacer. Tu vas la rassurer, ta fille. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et maintenant, tu vas la mettre au lit. Mais elle a pas eu le truc du... Oh, je sais pas, moi, je veux pas que je... Ça devrait aller, là, hein, quand même. Voilà, tu vas l'aborder, il me semble. Oh, c'est trop chaud.
Ça fait vraiment des vraies interactions, c'est ça qui me plaît. Ok, bah tu vas venir là. Pierre-Nard! Viens ici. Pierre-Nard! Tu vas écouter de la musique classique et après tu vas l'éteindre. Pendant que Joséphine va essuyer les flaques que tu as faites. Voilà, son divertissement il remonte. Allez, tu peux éteindre. Tu viens ici. Tu vas guicher ta femme. Embrasser la joue. Et vous allez remettre en route un bébé. Parce que là, on a Arthur qui va grandir et tout. Donc, du coup, on les aura pas tous en même temps. En parlant de lui, il pleure. Allez, tu vas le nourrir. Et tu vas le bercer. Toi, tu vas pisser en attendant, hein, tant qu'à faire. Hein. Occuper son temps au mieux possible. Hein. Allez, 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 allez! Allez, allez, allez! Besoin de se divertir. Ah oui, t'inquiète. Faire un bébé, ça va bien te divertir. Allez, Joséphine, avant que tu tombes en rade. Voilà, tu vas t'occuper d'Arthur. Va pisser, mon gars. Oh là. Tu sais pas aller pisser? Si. Quand même, hein. Donc, on va reprendre là où on en était. Envoyer. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est ce que je voulais faire, mais je voulais cliquer sur le truc du dessous, hein. Donc, je voulais envoyer un baiser. Oh non! Ah oui, il est parti se laver les mains. Voilà, envoyer un baiser. Hop. Il en peut plus. Ah, mais il crie encore! Oh, c'est pas vrai. C'est trop tard, ils ont commencé les actions, hein. Est-ce que tu peux changer la couche? Ma souris, elle veut pas que je clique au bon endroit. Recevoir des propositions malhonnêtes. Bon, elles sont pas si malhonnêtes que ça, quand même. Allez! Avec un enfant qui hurle en arrière-plan sonore, ça va être fantastique. Moi, je vous le dis, ça va être fantastique. Voilà! Tididi. Ouais, on en accélère un peu parce que bon, on connaît déjà la chanson. Est-ce que Pierre-Nard, ça l'a remonté? Pas mal. Ça l'a pas mal remonté. Oh, punaise, ce gosse! C'est affreux! Voilà, allez, tu te relèves, tu lui changes, tu le berces, tu lui parles. Pierre-Nard, s'il te plaît, relève-toi. Pierre-Nard, relève-toi. Ah ah! C'est vrai que c'est chiant l'escalier en plein milieu, mais bon, c'est pas grave, hein. On a soit l'escalier, soit ça. En fait, j'aurais comme ça. Voilà, ce serait mieux pour voir tout le monde. Donc, toi, t'as fini de faire ton bébé. De faire ton bébé. De t'occuper de ton enfant, qui, à mon avis, va bien grandir. Prochain épisode, dès le matin. Ouais, là, il est 4 h du matin, quoi. Allez, hop, bébé. On enchaîne. Les deux Saint-Paul, amoureux comme jamais. Dit. Vu que Arthur nous a dérangés, oui! Allez, zou! Au charbon! J'aime bien cette expression. Dans notre nouveau décor, de notre nouvelle maison, de notre nouvelle décennie. Après, je veux pas me spoiler, mais je regarde Joséphine. Pour l'instant, elle n'a qu'un seul triangle. Eh ben, on verra ça pour la prochaine fois. Je vais passer à Pierre-Nard. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a bien avancé. Ah, il reste une assiette. Et je vous fais des très gros bisous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Decade ou d'autres choses. À très bientôt! Wouh! Allez, salut!